À son arrivée le 4 juin 2018 à l'aéroport international de la ville de Douala, le président de Montpellier, Laurent Nicolin, découvre le pays des lions indomptables. Le Cameroun de Henri Bédimo, le Cameroun de Albert Roger Milla. La délégation du Montpellier Eurosport Club est composée de Laurent Nicolin, président, de Philippe Perbens, directeur administratif, et Jean-Pierre Massine, chargé de projet. Le bureau directeur de l'Académie Foot de Douala offre un accueil digne de ce nom à Laurent Nicolin et sa suite. Le président du Montpellier Eurosport Club est heureux d'atterrir au Cameroun. Je suis très heureux et très fier et je sais que mon père était venu aussi, donc voilà. On suit la trace et ça fait plaisir de venir ici. Et c'est une belle opération qu'on fait grâce à Henri et je pense qu'avec le savoir-faire de Montpellier-O et le savoir-faire d'Henri et des Camerounais, on va faire quelque chose de beau et peut-être que dans quelques années, il y aura encore des grands joueurs camerounais qui vont jouer au Montpellier-O. Merci Laurent. Avec plaisir. Merci. Le 5 juin 2018, en matinée, la délégation de Montpellier rend une visite de courtoisie au consul honoraire de France à Douala. Au pas de course, dans l'après-midi, c'est le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fils Tonet Tonet, qui offre son hospitalité aux délégations du Montpellier Eurosport Club et à la SAS AFD, conduite par Laurent Nicolin et l'international camerounais Henri Bédimo. Je suis parrain de cette académie depuis un bon bout de temps. Et après, au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte que mon petit frère avait besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Et donc, je me suis investi pleinement dedans. Il y a un an ou deux ans, je me suis rapproché de mon ancien club, qui est Montpellier. Et avec mes conseillers, on a constitué un dossier pour le leur présenter. On a eu la chance que le président Laurent Nicolin, le directeur administratif M. Philippe Tébernès, ont eu les oreilles attentives à ce projet. Moi, c'est un coup de cœur. Quand Henri est venu nous voir pour nous proposer ça, c'est vrai que c'est avant tout une affaire d'homme. Et si on peut rendre au Cameroun, si les joueurs camerounais nous ont donné Montpellier-O, c'était une belle occasion pour faire quelque chose de beau. Donc on met des petites pierres, on avance, et j'espère que dans quelques années, on aura rendu des hommes fiers et heureux et fait des belles choses dans ce pays. Les portes sont donc ouvertes. Nous sommes attentifs au déroulement, aux hommes, à l'évolution de vos projets. Nous savons aussi que nous allons continuer à bénéficier de vos expériences, de votre expertise. Le terrain est favorable, il est fertile, on aime le sport. Il faut tout simplement y mettre un peu de discipline et beaucoup plus de sérieux. Et le tour sera une chose. Après l'échange de civilité, les visiteurs inondent le premier magistrat de la ville de Douala de cadeaux. Maillot personnalisé et autres gadgets du Montpellier Eurosport Club. Henri Bédimo offre une des pièces uniques de la célébration du titre de champion de France avec le Montpellier Eurosport Club en 2012 aux délégués du gouvernement. En 2012, que j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe. Et donc, on nous avait remis à chaque joueur ce présent. Et voilà, et je pense qu'il y a deux ou trois exemplaires. Oui. Là, je suis la dernière phrase. Tout se déroule dans une ambiance conviviale.
Le moment dernier de cette journée du 5 juin 2018 qui sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de la SAS AFD est l'inauguration du siège de l'Académie Foot de Douala au quartier Makepe dans une ambiance estivale. Laurent Nicolin procède à la coupure du ruban symbolique.